Mais arrête, pousse-moi tes dingues ou quoi? Salut à tous, les amis, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet, votre rendez-vous 100% tennis préféré, avec, vous voyez, mes deux rugbymen, Benoît Mélin et Julien Varlet. Un rugbyman, tu veux dire? Ouais, un rugbyman et un... Comment on peut l'appeler? Je sais pas. Mais non, mais attends, l'équipe de France, quoi, le match de dingue contre la Nouvelle-Zélande, contre les All Blacks. Je me suis dit, je vais défier la chose. C'est vrai que t'aurais pu faire du rugby aussi. Mais tu sais, souvent, quand je travaillais au Stade français... On te prenait pour un rugbyman? Tout le monde croyait que je travaillais pour le rugby, alors que... T'as un physique de rugbyman, c'est clair. C'est ce que beaucoup de gens me disent, ouais. C'est flatteur. Tu peux faire bouger tes pecs, là, non? Ouais. Flatteur, je sais pas si c'est flatteur. Bah, t'as pas un physique de télé, en tout cas. T'as un physique de radio. Ouais. Bon, on dit bonjour à qui en premier? Allez, à Juju Varlet. Bah, ça va, Marie. Dernière... Alors, c'est mon jubilé pour cette année, moi. C'est la DER. La DER de Juju Varlet avant février, je le disais à nos amis. Je fais des gros bisous. Et je vais faire un peu mon Benoît Mélin. Des bisous à toutes les personnes qui nous suivent, parce que c'est super cool. Et puis, je trouve qu'il y a des échanges super sympas sur Twitter. Et c'est hyper agréable. Et quand on se balade aussi dans les allées, que ce soit à Bercy, à Roland, beaucoup de gens nous parlent, donc c'est super cool. Et dans la rue. On nous arrête. On nous attend devant Winamax. Et de gros bisous. Ah non. Si, un jour, on va venir faire une émission. On ne t'entend pas, Juju. Mais ton micro, regarde comment il est tout pendu, là. Donc c'est la dernière. Je veux bien que ce soit la dernière, Et t'as vu que je t'ai bougé quand même. Alors, heureusement qu'ils sont là, nos amis. Est-ce que vous entendez Juju, là? T'as vu, ils sont tous en train de nous dire. Il dit quelque chose de très important. En plus, il a dit un truc hyper important. Pour une fois qu'il dit quelque chose d'important, il n'y a pas le micro. C'est quand même bon. Bon, je vais traduire. Julien était en train de dire. Alors, tu vas peut-être faire un tour en régie pour savoir ce qui ne va pas, si ça ne marche pas. On n'entend pas. Alors, va en régie, régler tout ça. Nous, avec Benoît, on va s'occuper de l'émission. Il était en train de dire, Juju, merci. Il était en train de vous remercier. Oh là là. Mais quel mot. Mais non, mais c'est en t'envoyant en l'air, là, en faisant... Ça y est, le micro de Juju, c'est bon. Alors, t'étais en train de remercier. Donc, je disais, je vais faire plus bref. Ah, parce qu'on l'a refait, là. Allez, on refait. T'es prêt? Ouais. Ça commence bien, cette émission. Donc, c'est mon jubilé aujourd'hui. Je ne serai pas avec vous la semaine prochaine. Je repars entraîner. C'était juste pour vous remercier tous et toutes de nous suivre, que ce soit sur Twitter, dans les allées de Bercy, dans les allées de Roland-Garros. C'est super cool, on vous remercie, il y a les échanges qui sont super sympas. On vous aime. Et puis voilà, et puis je fais des gros bisous du côté du Cap d'Agde. Et moi j'allais vous dire qu'on allait faire une émission en direct du Cap d'Agde. Venez le 10 décembre. Le 10 décembre. Benoît Mélin. Benoît Mélin, il est encore avec nous la semaine prochaine. Ouais. Pour faire les émissions de bilan. Moi j'entraîne pas. Déjà, s'entraîner lui-même, c'est déjà pas simple. Bizarrement, ils ne me prennent pas pour entraîner. Alors qu'ils devraient. Ouais. Je suis sûr. C'est vrai. Moi, psychologiquement, tu vois, regarde Zverev, tu vois. Et je lui ai dit, fais-moi du Gilles Simon, rentre-lui dans la tronche, à Djokovic. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? On m'écoute jamais, moi. Bonjour à tous. Je vous remercie, moi aussi, je vous remercie. Alors, je fais pas le bisou au Cap d'Agde parce que je connais personne. Mais je fais la bise à tout le monde de partout ailleurs, surtout mes mamies. Et puis, alors, à d'autres. Je finis ma Doctolib, là. Je vais dire un gros bisou à Spiderboy. Enfin, il s'appelle Spiderboy sur Winamax et FabFab sur YouTube. Oui, on connaît FabFab. Il est là depuis très longtemps, FabFab. Mathis Bouiri. Eh ben, Mathis. J'espère que je prononce bien ton nom de famille, Mathis Bouiri. Et puis Vic Levé. Ah. Bah, Vic Levé, bien évidemment, c'est évident qu'on te dit bonjour. Ah oui, c'est la légende. Toi, il y a eu Carl Lewis, il y a eu Usain Bolt, il y a Federer. Parce que tu l'as oublié. Moi, je reçois tous les messages de personnes oubliées par Benoît Mélin. Donc, j'essaye de lui souffler des petits noms, mais la liste d'Octolib est très longue. La semaine prochaine, vous me demandez ce qu'il y aura, les amis. Il y aura des émissions bilan. Lundi, on fera le bilan de la saison ATP WTA. Jeudi, 19h, on fera la saison des Français. Et vendredi, on se projettera sur la saison 2022. On avait fait ça l'année dernière. Je ne sais pas si vous en souvenez. On avait essayé de pronostiquer les... Ah bah, moi, j'avais eu tout bon. Oui, c'est ça. Tu nous avais mis Roger vainqueur de... Non. J'avais misé sur Chapoval à Wimbledon, je me souviens. Voilà, bon, c'était pas... Chapovalov, Zabalenka, je crois que j'ai mis un truc comme ça. Demi, quand même. On ressortira. Et j'avais mis Dominic Thiem, vainqueur en Australie, vainqueur à Roland-Garros. Bon, c'était presque ça, Benoît, presque ça. Les amis, bonjour plus globalement à vous sur YouTube, Winamax et Twitch, n'hésitez pas.
à liker cette émission, à la commenter, le sommaire, tout de suite. On va rester 50 minutes ensemble, un peu moins peut-être parce que bon, on a une demi à analyser et la finale surtout. Mais d'abord, le Daily Mail de Benoît Mélin avec quelques actus, les dernières actus. Ouais. Qui se trimballent par là. Ensuite, on ira à Turin, on débriefera dans les faits rétro. La victoire de Alexander Zverev contre Novak Djokovic, on a beaucoup de choses à dire. Dans Hawkeye, ensuite, place à l'analyse de la finale. Qui sera sacré maître de la saison? Et enfin, on vous le disait en début d'émission, Juju dispute son dernier match de l'année dans son filet. Un dernier match, une victoire. Réponse en fin d'émission, il n'y a pas de col roulé, c'est le col en V. V comme victoire. On est à quoi? On est à 2-2? 2-2. 2-2. Ah, t'es pas devant? Je sais plus. Je crois qu'il a quand même une victoire d'avance. On a pas joué que 4 matchs. Lundi, mardi, jeudi. C'est le 7e jour, donc. Donc tu dois avoir une victoire de plus. Oui, tu dois être à 3-2. Tu commences à croire. Tu dois. C'est pas bon. Allez, les amis, tout de suite, ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est dans le Daily Mail. Bien sûr. Eh oui. La victoire du 15 de France contre les Bleus. Non, mais arrête, on parle de tennis, Benoît Mélin. Non, mais un truc de malade, quoi. Non, mais des essais de partout. Enfin, voilà. Donc, la victoire de l'équipe de France contre les All Blacks. T'as rien? Mais t'as rien, en fait. La victoire de l'équipe de France contre les All Blacks. Je trouve. Non, mais on se rend pas compte. C'est pas un amical? Hein? C'était pas un amical? Mais non, mais pas du tout. Ah, c'est un test match. Mais la tournée d'automne. C'est tout le temps la tournée d'automne qui est super importante. On est à un an de la Coupe du Monde de rugby. On tape les Blacks, quoi. Qui était en gris, mais on a tapé les On va te monter une émission de rugby, si tu veux. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a Djokovic qui nous a fait une réponse de Normand. Tu vas en Australie ou pas en Australie? Puisque maintenant, on sait qu'il faut être vacciné. La double vaccination pour pouvoir rentrer en Australie. Tu vas pas? Mais je sais pas, je vais voir. On va attendre, on va voir. Mais tu vas attendre quoi? Bah surtout qu'à un moment, tu as un laps de temps entre les deux piqûres. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas les faire jeudi. Et alors, Alexander Zverev, que j'aime bien parce qu'il ne va pas jouer la Piquet Cup. Moi, j'adore parce qu'il ne va pas jouer la Piquet Cup. Mais là, je ne te comprends plus, mon petit Alexander Zverev. Tu dis des conneries. Attends, j'attends que JP arrive. il a perdu une caméra, en fait. Ça va, JP? Tu y es, là? De tout, je ne peux rien. Et en fait, le Alexander Zverev qui a sorti, oui, mais je pense que quand même, ce serait peut-être bien que pour Novak Djokovic, on fasse une exception et qu'on lui permette de jouer à l'Open d'Australie. Ça va pas ou quoi? Bah merde, il y a une règle. Tout le monde respecte la même règle. Après, c'est son choix. S'il ne veut pas se faire vacciner, ok, d'accord, mais c'est son choix. Et il n'y a pas d'exemption à avoir parce qu'il est numéro un mondial ou parce qu'il a gagné 9 fois l'Open d'Australie. Là, il y a de l'amour entre Zverev et Djoko. Justement, ça commence à me gagner un petit peu. Bah, même entre Medvedev et Djoko, c'est trio. Les mecs, t'as l'impression qu'il y a The King, tu vois, Djoko, puis la cour. T'as l'impression d'être à Versailles, quoi. Les mecs, c'est... Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de plus d'animosité entre Non, mais bon, après, c'est toi, soit t'es un susboule, soit t'es un mec qui t'as envie de lui rentrer dedans, quoi. Enfin, bon. Non, mais même, après, il n'y a pas que, mais regarde, je sais pas si t'as vu la petite vidéo quand Zverev sort du court dans les allées. Marine Bajdaret, et surtout la femme de Djokovic qui lui fait un gros. Limite, il partait dans la chambre. Non, tu te dis, non, mais c'est quoi le délire? PJ, il a fait sauter. Non, c'est normal, arrête! Je vais l'appeler PJ, en fait. Laisse-le tranquille. JP, ça va pas. Benoît s'est pris en amour de notre nouveau Real. Ah, mais il est top, j'adore. Mais il est génial. Non, mais je le titille. Oui, on fait exprès. Enfin, voilà. C'est la dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors, les dernières nouvelles de notre pauvre Peng Shuai. Donc, on en est à 19 jours. Alors, bon, maintenant, on sait qu'elle est vivante. Ça a l'air de rien, mais finalement, c'est quand même très important de savoir qu'elle est vivante. Parce que là, elle est apparue, vous avez vu le coup du chat, j'imagine, sur Twitter. Après, elle était au restaurant, mais bon, on ne savait pas trop quand c'était, si c'était là ou il y a un an, machin. Là, elle est venue sur un tournoi de jeunes. Et on sait que c'est la date, on sait que c'est là. Donc là, forcément, elle est en vie, ce qui est déjà une énorme bonne nouvelle. Parce qu'on rappelle que la personne qu'elle a dénoncée sur des violences sexuelles, viol, ce que vous voulez, agression sexuelle, ce que vous voulez, mais enfin, ce mec-là, en plus même d'être l'ancien vice-premier ministre de la Chine, fait partie du bureau, tu vois, du Parti communiste. Enfin, le mec, c'est un des gars les plus importants, quoi, de ce truc-là, tu vois. Je ne vais pas donner de mots parce que je pourrais finir en taule. Voilà, du truc là-bas en Chine. Et c'est Benoît vrai que ce gars-là de 75 balais ou plus, là, je ne sais plus quel âge il a,
Il suffit qu'il se soit pris un petit coup de colère en disant, mais non, celle-là, elle m'attaque sur une histoire de viol. Allez, hop. Tu vois, on n'est pas sur de la fraude fiscale, on n'est pas sur des trucs un peu classiques qu'on connaît là-bas en Chine. Là, c'est carrément une dénonciation. Et ce qui, le Parti communiste et le gouvernement chinois l'a dit, de toute façon, là, attention, c'est hyper dangereux parce que ça crée de l'instabilité dans le pays, tu vois. Ça met en cause la stabilité du gouvernement, qu'une jeune fille puisse se permettre de dire qu'elle a peut-être été violée. Et là, tu te dis, non, mais les gars, arrêtez tout, quoi, arrêtez tout. Donc, Steve Simon, Monseigneur Steve Simon, le patron de la WTA, a réécrit une lettre en disant, écoutez, c'est très bien, ok, bravo. D'accord, on a la preuve qu'elle est vivante. Maintenant, je n'enlèverai toujours pas ma menace de faire en sorte qu'il n'y ait plus de tournoi en Chine. Maintenant, ce que je veux, c'est savoir si cette jeune fille a le droit de circuler librement, parce que pour l'instant, on te la montre comme une marionnette. Hein. Oui, puis elle était pieds-mains liés, baïonnette. Ah bah, tu vois, elle ne dit rien. Elle a signé des petites balles à des gamins qui étaient là sur l'événement. Je peux te dire qu'ils sont tous au garde à vous. Il n'y en a pas un qui moufte. Personne ne parle. Et tu vois bien que la Peng Shuai, elle regarde la caméra comme ça un moment en se disant, putain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que j'ai le droit de bouger, de pas de bouger? Hop, ils te l'amènent pour la photo de groupe. Enfin, voilà, c'est... Ok, d'accord. Est-ce qu'elle peut circuler librement? Est-ce qu'elle a le droit de parler librement? Est-ce qu'elle a le droit de s'exprimer? Enfin, voilà. Juste maintenant, simplement, tu vois là, un truc normal, quoi. Un truc de la vie normale. Tu peux, est-ce que tu peux t'exprimer librement? Donc, tant que ce ne sera pas fait. Après, de toute façon, elle ne pourra jamais, parce qu'elle ne pourra jamais déposer plainte si ouais, elle veut aller au bout clair. De son. Tu vois, parce qu'elle ne pourra pas le faire en Chine. Donc, ah, bah oui, mais après, si elle a le droit de circuler librement, elle s'en va. Après, mais si elle s'en va, ça veut dire qu'elle elle emmène toute sa famille, tous ses copains et compagnie, hein, parce qu'eux, ils peuvent morfler en étant là-bas. Donc, enfin, c'est un bordel sans nom, bien évidemment, mais on ne lâchera pas l'affaire. C'est pour ça, continuer d'alimenter Where is Peng Shuai. Il y a un nouveau aussi hashtag qui est apparu, c'est Free. Peng Shuai. Oui, oui, puisqu'il voilà, y a une évolution. Que, ouais. Évidemment, et comme ça, ça permet de mieux référencer aussi le hashtag et de se retrouver entêté. C'est important, les amis, de ne rien lâcher. C'est non, bon, non, non, il ne faut pas lâcher. Juste un truc, c'était quand même important de le dire, parce que je l'ai noté, ça, ouais, juste ça, hein, ce petit hashtag Where is Peng Shuai, sur Facebook et, pardon, sur Instagram et sur Twitter, ça a été partagé plus de 32 millions de fois. Ça, alors, tout en sachant, bien évidemment, que Instagram et Twitter... Il ne les voit pas en Chine. Hein. On va répondre à Clément qui nous dit arrêtez votre complotisme et parlez tennis. C'est du tennis aussi, Clément, et c'est important. Voilà, après, si ça ne t'intéresse pas... Tu t'en vas. Tu t'en vas. Voilà, il y a un petit bouton qui... Non, mais pas nous, c'est important aussi, ça nous tient à cœur, cette cause. Donc voilà, on continuera d'en parler. Désolé, Clément. On va parler tennis maintenant. Et on n'oublie pas Pierre Hugerbert et Nico Mahut qui sont sur le court en finale du double du Masters pour la troisième année consécutive. Ils avaient perdu en 2018 en ayant eu balle de match. Et ils avaient perdu au super tie-break à la cinquième balle de match de leurs adversaires. Un truc de dingue, ils n'en pouvaient plus. L'année d'après, en 2019, bam, ils gagnent le Masters. Et là, ils avaient le break, premier set. Ils ont mis une balle de double break pour mener 4 jeux à 1. Ils ne l'ont pas eu, et j'avoue, je ne sais pas où on en est. Mène 5-3, balle de 5-4. Yes. Mais bon, merci pour ce point live, Juju Varlet. Merci pour ce petit Daily Mail, on va récompenser ceux qui nous suivent, les fidèles, sur Winamax. C'est parti, c'est la question Freebet. Attention à la question Freebet. Oh la vache. Et là, c'est pas facile. Là, c'est la dernière de Juju Varlet, donc Benoît Mélin a décidé de faire quelque chose... qui change, qui va peut-être vous déranger. Ouais, mais ça va vous déranger, c'est sûr que ça va vous déranger. Ça va vous faire chier, vous allez gueuler. Voilà, je vous le dis. Va falloir chercher un petit peu. Il va falloir chercher un petit peu. Attention, la question est très, très précise. C'est sur Winamax, point d'exclamation quiz. Qui a gagné le plus de matchs à l'heure actuelle, en 2021, sur le circuit ATP? Vous répondez, est-ce qu'on peut donner un indice? Non, tu n'as aucun indice. Qui a gagné le plus de matchs en 2021 sur le circuit ATP? C'est fourbe. Hein, pensez à la fourberie de Benoît Mélin en répondant à cette question. Point d'exclamation quiz, les amis et nous. On va partir débriefer donc cette victoire, cet exploit d'Alexander Zverev. C'est parti, effet rétro. On rappelle donc pour ceux, je ne sais pas, hein, qui sont peut-être sortis ou alors qui n'ont pas vécu ce match entre Zverev et Djokovic, la victoire de l'Allemand en 3-7 au terme d'un match de grande qualité. On le demandait hier, on était un peu déçus du Masters, bah là ça nous a fait un peu de bien de voir ce match-là. Julien, l'Allemand a tout simplement été très concentré, entreprenant, intelligent tactiquement, ce fameux QI tennis. C'est une victoire de référence pour lui, notamment dans le premier set. Oui, après... C'est là où tu te dis, mine de rien, encore plus sur le premier set, ça se joue vraiment à très très peu de choses parce que c'est quand même Djokovic qui a l'opportunité, les opportunités en premier. Maintenant, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que
Très souvent, on dit que Djokovic se met un peu au diapason de ses adversaires. Mais là, j'ai trouvé que c'était Zverev qui s'est mis au diapason de Djokovic. C'est qu'au moment où c'était important dans le tie-break, c'est lui qui vient chercher son tie-break. C'est lui qui agresse, c'est lui qui fait des points, mais vraiment énormes dans le tie-break pour se détacher. Donc voilà, je trouve que la construction de cette première manche, ils servent excessivement bien tous les deux, il n'y a pas photo. Les mecs, ils sont quasiment imbreakables. Il y a deux balles de break où, au moment, eh ben, Djokovic fait deux fois service volé, ce qu'on ne voit jamais faire, dont une espèce de demi-volée. Mais je pense que même Federer, il a dû la regarder, il a dû prendre note parce qu'elle est tellement belle que c'est monstrueux. Mais voilà, je trouve que le premier set, ça se joue vraiment une fois de plus sur un tie-break, ça ne joue à pas grand-chose. Et là, c'est énorme, le premier. C'est celui qui est venu le chercher, c'est Zverev. Derrière, tu te dis, bon, ça va être compliqué, peut-être qu'il va avoir une petite baisse de régime parce que sur un premier set qui dure longtemps et tout ça, elle n'a pas vraiment eu lieu. Pas au début, mais milieu du deuxième, poum. Je sais pas, j'ai trouvé que Zverev n'avait plus de jus. Tu vois. Sans que Djokovic joue beaucoup mieux, mais il n'y avait plus vraiment de jus, il était moins agressif, il était moins percutant. Ah, mais t'imagines l'effort qu'il a fourni pour arriver à ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ah ouais. Mais voilà, ça, il a rebaissé un peu de rythme. Par contre, ce qu'a fait très très bien, même s'il perd le premier et le deuxième set, c'est Djokovic, c'est sa qualité de première balle. Très bon pourcentage. Et je crois que sur les deux premiers sets, il doit être à 80-85% de points gagnés sur première. Donc son service était tout simplement phénoménal. Par contre, au troisième, tout ce qu'avait mis, et c'est là où je suis un peu déçu, tout ce qu'avait mis en place Djokovic en finale de Bercy contre Medvedev, de venir un petit peu vers l'avant, de venir chercher les points filés, il ne l'a pas fait. Toutes les amorties qu'il a tentées, il a dû en tenter 5 ou 6 dans le match, il a perdu les points. Il n'a pas eu la main qu'il avait eue sur la finale de Bercy. Pourtant, effectivement, moi, je le voyais au-dessus, bien meilleur, et où il a été super bon, Zverev, c'est qu'il ne s'est pas affolé. Et il est rentré un peu, alors je dirais pas dans le cerveau de Djokovic, mais il a fait un peu du Djokovic. Bah, il a dominé le cerveau. Il a fait du Gilles Simon, Dans le troisième, Lui qui remporte le plus de rallyes quand même. Ben, c'est ça. Sur les échanges de plus de 9 frappes, c'est lui qui remporte tous les échanges. Il a bien négocié. Quand il peut basculer encore et ensuite servir pour le match, tu sens qu'il est hyper fébrile. Parce qu'à tout moment, Djokovic, il le sent. Il sait que même si l'autre est devant, il peut peut-être venir le tirer. Par contre, le dernier jeu, il fait 4 premières, il finit sur un ace. Et j'ai trouvé que, ben, en fait, je ne pensais pas qu'il avait cette qualité-là, Zverev, mais il l'a eu hier. C'est qu'il a réussi à battre Djokovic à son propre jeu et que les points importants, les moments importants, eh ben c'est lui qui les a mieux joués et qui les a mieux gérés. Donc j'ai trouvé ça tactiquement très intelligent de sa part et sur certains points, certaines phases de jeu, très intelligent. Je partage totalement ton avis, Benoît Mélin. Bah oui, bah on peut être d'accord, hein, bien sûr. Mais enfin, après, en dehors de tous les chiffres et tout, voilà, il m'a soufflé parce qu'on était là. Oui, il a battu Djokovic aux Jeux Olympiques. Mais là, voilà, ok, bon, bah tu vas pas gagner, quoi. Ouais. Tu gagneras pas parce que il va y avoir un tie-break, tu vas être sous tension et c'est là que tu vas commencer à craquer. Alors que Djokovic, il est incroyable mentalement, il perdra jamais. Et puis même, il revient à 7 partout. Bah ok, c'est Djokovic qui va gagner en 3-7. Eh ben non. Il a été, il m'a scié, il a été époustouflant. Quoi. Je trouve que voilà, le mec, il m'a prouvé. Medvedev, quand il finit son match contre Ruud, dernier jeu de service, 4 premières balles, c'est fini, c'est plié, il n'y a pas une occasion. Quoi. Pareil, Zverev, dernier jeu de service, première, boum. Alors mais que, c'est hyper tendu. Quoi. Mais tu vois, pour rentrer, parce que j'ai un peu le tableau, ce qui est fabuleux, quand même, c'est là où ça se joue, mais vraiment à très très peu de choses. Entre 0 et 4 points, 64-64. Entre 5 et 8, 16 et 16. Par contre, et c'est dans les longs, c'est dans les longs échanges, plus de 9, 13 Djokovic, 24 Zverev. Alors qu'en temps normal, c'est souvent Djokovic qui est devant, et on l'a vu encore plus en demi-finale de Bercy avec Zverev. Dans les échanges où ça dure un petit peu contre Medvedev, il a complètement explosé. Et là, il a réussi à jouer très très juste. Je trouve que 5-7. Alors, effectivement, ce n'est pas des coups entre les jambes, ce n'est pas des amortis rétro, ce n'est pas des volets amortis de malade. Mais tactiquement, il a été, et il a vraiment bien bloqué dans les angles, il a été très très juste. Et ce qu'il a fait très bien aussi, c'est qu'il a fait du Djokovic, c'est qu'il l'a très souvent bloqué, zone diagonale revers, et de temps en temps, pam, une bonne frappe longue ligne avec son revers à deux mains pour surprendre Djokovic. Donc, les points importants, c'est là où ben, il a été tout simplement meilleur et je trouve ça assez impressionnant. Fabuleux. Il a été énorme. Le chant de la rive nous dit du très grand Zverev, très prometteur pour 2022. Mais vois, c'est clair. Mais il le fait. C'est un match référence là pour lui. Ouais, mais tu vois. Oui, parce que tu vois, quand il bat Djoko aux Jeux Olympiques, c'est un miracle.
Souvenez-vous de ce score où il y a pas de match, quoi. Tu vois, premier set pour Djoko, il a le break dans le deuxième, c'est terminé. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, on comprend pas trop. Djoko qui est fatigué, qui en met plus une, et puis Zverev réussit à gagner. Mais bon, on se dit, OK, la chaleur, la pression, les Jeux Olympiques, d'accord, il est fatigué, Djoko est fatigué, c'est normal, Zverev a gagné. Mais là, non. Ah bah là, non, il s'est pas épuisé. Surtout que Zverev, logiquement, on avait plus dans les pattes que Djokovic quand on arrive sur cette demi-finale. On a vu que Djokovic à Bercy, bah, il était capable de revenir et de s'imposer alors que c'était un tournoi de reprise. Donc là, il était chaud patate. Il avait certainement envie d'aller en finale. Donc non, la victoire, elle est monstrueuse, quoi. Parce que les 5-7 de la demi-finale de l'US Open, on se dit, putain, il va peut-être y arriver, mais il n'y arrive pas. Après, c'est un match au meilleur 5-7. Mais, hein. Mais là... Oui, mais c'est ça qui est important, c'est que ça reste un peu toujours le blocage, entre guillemets, de Zverev. C'est les grands chelems. C'est qu'il n'arrive pas à les battre en grand chelem. Ah bah, il n'a toujours pas battu un top 10 en grand chelem. C'est là un peu le... C'est dingue. C'est que sur les matchs en 2-7, il arrive même à la gagner, mais sur les grands chelems, il n'y arrive pas. En tout cas, ce qu'il a fait hier, 6-4 pour Nico et Pierre. Yes. Mais moi, j'ai trouvé que effectivement, ça reste pas du flamboyant comme peut le faire un Federer quand il joue sur. Mais tactiquement, c'était très très juste. Et puis cette qualité de service, c'était. Mais on en a parlé un petit peu avec Juju avant de rentrer sur la mêlée. C'est que moi, j'ai trouvé ça étrange que Djokovic, comme il avait pu le faire contre Medvedev en finale de Bercy, n'essaye pas un moment de complètement changer sa dynamique de jeu et de partir sur je viens au filet. Et tu l'expliques comment? Et ben, physiquement je pense qu'il. Pour moi, hein, je pense qu'il a fait une petite erreur. Il s'est dit je vais le baiser presque à son propre jeu. Tu vois, tous les deux dans l'absolu, voilà, ok, ils peuvent te renvoyer la balle 150 000 fois. Et je pense que Djokovic a fait une erreur. Elle a, elle a voulu le jouer peut-être un peu trop seigneur en disant je vais gagner au bout du compte. Tu as peut-être raison. Et dans un autre sens, je pense que Djokovic, hier, ne sentait pas aussi bien la balle. Que contre... Et peut-être que le jeu de Zverev l'emmerde plus que celui de Medvedev. Parce que tu vois, je te dis, il a tenté quelques amortis. Il n'en a pas... Elles ont tout le temps été... Soit elles ont pris légèrement la bande, soit elles étaient mal touchées. Je trouve que, mis à part l'espèce de demi-volée que j'ai expliqué tout à l'heure, qui était tout simplement mais grandiose, il n'avait pas la main et le petit jeu qu'il a pu avoir sur certains matchs. Peut-être même, alors, il n'a pas eu joué les adversaires. Les mêmes adversaires sur les matchs de poule, mais sur Bercy, sur la finale, sincèrement, j'ai trouvé qu'il avait une main exceptionnelle. Et alors que là, non, il les a pas touchés. Tu vois, c'était Et puis c'était pas au bon moment, c'était. Même il y a des slices, il y a quelques slices qu'il a ratés, alors que tu vois, il y a encore une semaine, 15 jours contre Medvedev, il les ratait pas. Donc je pense qu'il était un tout petit peu, il sentait un peu moins bien la balle, c'est mon sentiment. Il y a eu quelques erreurs côté revers, alors qu'en temps normal, revers, c'est un métronome. Donc. Je ne dis pas que c'était un moins bon Djokovic, mais pas aussi inspiré qu'il y a quelques jours. Sur la bataille du terrain, ils ont pas mis... Pourtant, des fois, ils le mettent, le graphique, ça aurait été un intelligent de le mettre. Tu vois, la position des joueurs par rapport à la ligne de fond de court. Et dans l'ensemble de ce match, j'ai trouvé que Zverev était plus près de sa ligne de fond de court que Djokovic, alors que normalement, c'est l'inverse. C'est Djoko qui essaye de mettre un pied sur la ligne et de distribuer le jeu, de prendre la balle un peu plus tôt, de couper la trajectoire, de s'ouvrir des angles croisés courts. Et bien, il ne l'a quasiment pas fait. Vas-y, cogne, tu ne me battras pas. Ouais, mais tu vois, paradoxalement, il a couru 200 mètres de plus, 250 mètres de plus que Djokovic. Donc ça veut dire qu'il a quand même couvert plus de terrain. Zverev, j'ai trouvé qu'il était quand même plus... Enfin, c'est le Zverev agressif qu'on avait vu à l'époque, quand il avait Lendl à ses côtés et qu'il avait gagné le Masters. Avec le pied sur la ligne à la O2 Arena, et bim, 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 et il distribue avec cette qualité de service. Donc si le mec, il est capable de faire ça contre un Djokovic et qu'il sait que là, il va jouer Medvedev, On va en parler tout de suite de cette finale. C'est parti, les amis, l'heure du dénouement de cette saison à sonner au CAI. Oh là 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 là. Je suis curieux de voir les codes. Ça fait bizarre de dire que c'est le dernier. C'est le dernier match. Ça y est, on va boucler cette saison 2021. On fera le bilan, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, lundi, jeudi et vendredi. On vous donne rendez-vous à 19h. Mais avant, il faut donc pronostiquer cette finale. Qui de Medvedev ou Zverev sera sacré maître de la saison? Alors, les deux joueurs se sont joués cette année pas mal de fois. Déjà en carrière, 12e duel sur le circuit. Et cette année, donc 4e. Ça sera leur 4e. 3 matchs en 2021, tous remportés par Medvedev. ATP Cup, Paris et à Turin. En poule, c'est simple.
Zverev n'a plus battu Medvedev depuis ce match de poule du 15 novembre 2019 au Masters. Ça fait deux ans. Il y a 5-0 depuis deux ans. Ouais, exactement. 5-0 pour Medvedev. Exactement. Alors Juju, cette finale peut être le moment de relancer une série contre le numéro 2. Mais Zverev est à 5 victoires pour 0 défaite en finale cette année. Il n'a jamais perdu une finale. Après, je trouve que 2,50, c'est dur quand même. C'est dur pour Zverev, la cote. Est-ce qu'il est capable déjà d'enchaîner des alors, exploits comme une ça une fois de plus, hier, je me suis planté, je voyais Djokovic. Et facile, tous les deux. Mais je l'avoue. Non, peut-être pas. J'avais pas dit facile, non. Si, on avait dit facile. Ah, si, je crois que t'as dit facile. Mais je pense que... Tu veux juste un truc, nos parieurs vont sur Daniil Medvedev, mais en large main. Ah ouais. Moi, je vais quand même sur Medvedev. Prends un petit sondage, c'est important parce que nos amis moi j'aime bien ça. Hier, t'as vu, ils étaient très très partagés, en tout cas plus partagés que nous. Donc ils vont peut-être nous indiquer aussi quelque chose. Medvedev ou Zverev? Non, moi je vais partir. Alors je pense pas que ça va ressembler à la demi-finale et même au match de poule, parce qu'il faut quand même dire qu'ils sont joués il y a 3-4 jours déjà, et que Medvedev l'avait emporté. Difficilement. Difficilement, mais parce il aurait... Parce que justement, peut-être, excuse-moi de te couper, Juju, mais à Bercy, tu te souviens, évidemment, il s'était pris une petite fessée. Bah, il a pris 2-2. Voilà. Donc derrière, il a réussi à mettre en place... Ouais, mais le match aurait pu ressembler, le premier et deuxième set ressemble énormément, même si c'est un peu plus accroché au niveau du score, mais il a des opportunités dans la deuxième, s'il est fait, il peut gagner 6-3, 6-4 et c'est réglé. Ça fait pas 2-2, mais ça fait 3-4. Est-ce que tu prends en considération... Parce que moi, j'avoue quand même, à un moment, tu te poses la question, parce que c'est un match très, très dur pour Zverev qui se finit aux alentours de 23h30. Minuit. Et il rejoue dès 17h. J'allais y venir. C'est plutôt que d'habitude. Hein. J'allais y venir, je pense, mine de rien. Tu finis, écoute bien. Enfin, c'est le dernier match de la saison, tu peux... Ah oui, mais il y a encore aussi. Non, mais attends. Medvedev qui joue 1h15, il met 4 et 2, à 20h il avait fini sa journée 1. Tu finis à 11, le match a fini à minuit moins le quart. Non, à 20h, c'est-à-dire qu'il a tout fini. La presse, la récupération, les massages, il est dans sa chambre d'hôtel. Mmh. Il est posé. Mmh. Zverev. En 23h45, le temps que tu fasses la conférence de presse, qu'il a dû raccourcir quand même. Mais bon, le temps de manger, parce que vu qu'il a joué à 21h, il se réalimente quand même. Le temps de te toucher de ça, je pense qu'il n'est pas au lit avant 2h30, 3h du mat. D'accord ? Sachant que tu rejoues le lendemain à 17h, il faut que tu te lèves vers 9h, 9h30, réveil musculaire, tac, tac. Maintenant, 2h28. Tu bats Djokovic, il y avait de l'ambiance, tu lâches quand même pas mal d'énergie. Mental. Je pense surtout que Medvedev, moi je suis DJ Savara, je lui dis, très simple, tu repars sur le même schéma que tu as pu faire. Je pense que Bercy, tu le mets de côté, parce que pour moi c'était une œuvre d'art de la part tactique Medvedev. Tu oublies ça, tu te reconcentres sur le match qu'on vient de faire il y a 3-4 jours. Ce matin, je fais visionner le match à Daniil en lui disant, voilà, tu as fait ça, 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 il faut que tu t'appuies sur ces... Et plus le match va durer... plus t'as de chances de gagner. Parce que là, t'as un moment ou un autre, mine de rien, même s'il est prêt, on a beau dire ce qu'on veut. Je pense qu'il commence à canner un petit peu sur la fin de saison, premièrement. Deuxièmement, il s'est couché hyper tard, match de 2h30. Je suis d'accord. Oui, mais t'as raison. Mais même s'il gagne le premier, il va aller chercher un deuxième. Mais pourquoi il gagnerait plus physiquement qu'un Daniil Medvedev Pourquoi? Parce que je pense que Daniil... Non, mais ne serait-ce que le match d'hier, il joue 1h15. Oui, non, mais d'accord, si tu prends le match d'hier, d'accord, mais sur la saison, bon, les deux... Oui, mais dans l'absolu. Plus le match va durer, je pense que Medvedev, plus il va le tenir, moins il fera de fautes, mieux il va descendre. Bon, alors, tu me dis Medvedev, alors qu'est-ce que doit faire Zverev? Eh bien, Zverev doit faire à peu près ce qu'il a pu faire hier contre Djokovic. Ah ben oui, mais si t'es un peu fatigué. Eh bien, écourter les échanges. Il a l'exemple de Bercy, qui est une œuvre d'art de la part de Medvedev tactique. Non, je le dis, tous les points qui étaient au-dessus de 8-9 frappes, il les a tous perdus. D'accord? Là, ça s'est rapproché un petit peu. Sur les 3-7, ça ressemblait un petit peu où il a été un peu plus agressif. Et il s'en est rapproché, il perd en 3-7. Moi, je suis son frère, parce qu'actuellement, il est avec son frère. Oui, il est avec Micha. Tu t'appuies exactement la même chose au service. Tu varies un maximum les zones. Surtout, n'oublie pas, côté égalité, le fameux service slicé. Parce que Medvedev ne coupera pas la trajectoire. Tu l'envoies directement dans les tribunes et tu ouvres de l'autre côté, côté revers. Ça, c'est sur tes jeux de service. Sur tes jeux de retour, certes, il va bien servir potentiellement. Hier, il a un peu moins bien servi. Qui sait, il y a peut-être une opportunité aujourd'hui parce qu'il a un peu moins de rythme. Il a un strap au bras, peut-être qu'il a l'épaule qui fatigue un petit peu. Quand même. Et voilà, on y vient. Bon, je me dis, mais merde, tu vas pas me dire qu'il est frais comme un gardon, le mec ton. Et oui, mais je pense que dans la longueur, il gênera plus sur un match qui va durer 1h30, 2h, 2h30. Il gênera plus que Zverev. Et Zverev monte, quitte à perdre quelques points, tente, viens au filet, titille-le, propose-lui une fois de plus qu'on disait à Bercy, et encore là, propose-lui un style de jeu qu'il n'aime pas.
Je ne dis pas qu'il faut qu'il aille faire du Hugo Gaston parce qu'il ne sait pas le faire, mais venir lui mettre des angles, des balles un peu moins fortes, frapper un peu plus fort, prendre un peu plus tôt, arrondir, venir faire un petit slide, tu vois, proposer un style de jeu que n'aime pas Medvedev. S'il repart dans un schéma où il va faire un peu ce qu'il a fait quand même hier contre Djokovic, tenir la balle, là, il peut jouer 6 heures, il ne va pas faire une faute. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je partirais quand même sur Medvedev. Je pense que Medvedev est quand même, va être plus régulier et sera plus physique que Zverev. Pour l'instant, nos amoureux du tennis vont plutôt faire confiance à l'Allemand. Bon, c'est très, très serré, 51%. J'avais une petite cote sympa à vous proposer aussi. Tie-break au cours du match, on imagine facilement un tie-break. Ah, ça ne s'affiche pas. Il y a des cotes comme ça qui ne s'affichent pas. C'est 1,75 pour le tie-break au cours du match. On peut imaginer pour quand un même... un tie-break. Ouais, un seul tie-break au cours du match. Benoît, j'ai l'impression que tu vas... Regarde, ça y est, 50-50. Mais je vais aller sur Zverev. Je vais aller sur Zverev parce que je suis d'accord, ça va être très compliqué pour lui de s'y remettre. C'est obligatoire. Mais vraiment, Medvedev, je l'ai trouvé un petit peu limite physiquement sur l'explosivité, notamment au service contre Rude. Et il a eu des matchs très, très, très durs jusqu'à ce Rude, Daniil Medvedev, depuis le début de ce Masters. Plus Bercy avant, plus l'US Open, plus enfin, toute sa saison de dingue. OK, c'est le dernier match, c'est pour gagner le Masters. Où il est tenant du titre. Les deux ont déjà gagné le match. Oui, mais je trouve que Zverev, là, moi en tout cas, sur ce match qu'il a montré contre Djokovic, il est dans une dynamique de folie, parce qu'encore une fois, putain, il tape Novak Djokovic, quoi. On est sur les deux mecs qui ont pourri la saison de Djokovic. Exactement. Regarde, c'est Medvedev Exactement. Qui l'empêche de faire le grand chelem calendaire, et l'autre qui lui enlève la médaille d'or au JO, quoi. Putain, l'angoisse, là. Les mecs de 2 mètres, je veux plus les voir, quoi. Et là, ils sont tous les deux ensemble. Je pense qu'ils sont fatigués, tous les deux. Donc, ils vont s'appuyer à mort sur leur service. Et je trouve qu'en pourcentage de service, depuis le début de ce Masters, Zverev est au-dessus. S'il y a un nombre d'aces, je pense que Zverev mettra plus d'aces à Daniil Medvedev, qui, encore une fois, quand arrive à bien servir dans la petite diagonale, des égalités bien slicées, il est tellement loin qu'il est quand même mal barré dans sa vie. Surtout contre Casper Ruud, ça s'est vu, tu l'avais dit, et Casper, il l'a bien utilisé. Et je trouve que Zverev nous a prouvé qu'il avait cette position-là, un petit peu avancée, très agressive par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Voilà, moi, quand il avait gagné ce Master, j'avais dit, mais putain, c'est comme ça qu'il faut qu'il joue tout le temps, ce mec-là. Et puis, petit à petit, il avait commencé à reculer, à avoir ses petits tics là au service. Merde. Et là, je trouve qu'il est reparti dans cette dynamique de mec, c'est moi qui décide, quoi. Après, Medvedev, on sait que la transition attaque-défense, il est incroyable. Incroyable. Mais je trouve qu'il pêche. Et s'il y en a un qui doit mettre un peu le feu dans ce match et qui est capable de le faire, eh ben, je pense que pour moi, Zverev est plus doué dans cet axe de jeu où je vais essayer de faire la différence sur les échanges de 0 à 4 frappes comparativement à Medvedev. Je peux me tromper, hein. Je me trompe jamais. 51% depuis en 3-7, Benoît, hein. On était à 50-50, on était à 51 Zverev. Benoît a pris la parole pour vendre Medvedev 52. Et depuis Medvedev est à 52%. C'est quoi les cotes au niveau jeu 22-5, 23-5, 3-7, 3-7. Plus de 23-5, il est à 1,82. Oh bah, ouais, regarde, c'est même mieux. Parce que Medvedev est à 1,50 ou 1,54, je crois. Mais un 3-7 sans vainqueur, me dis pas que c'est 2-0-5, ça vous y croyez fortement. 3-7 sans vainqueur, c'est à 2-0-5 ouais. Mais toi, tu y crois fortement aux 3-7 sans vainqueur? Ben, je pense qu'il... Je préfère le nombre de jeux, le tie-break au cours du match ou le... Je les imagine fatigués, et les mecs se connaissent par cœur. Ouais, mais putain, donc on sait que voilà, il y a Bercy derrière. T'inquiète que tous les deux, ils l'ont visionné, hein, l'œuvre d'art du Daniil. Donc, de toute façon, ils vont mettre en place quelque chose pour essayer de se surprendre. Et je pense qu'on va avoir un petit... Peut-être, je me dis qu'on peut avoir une espèce de hurra tennis... où les mecs vont essayer de se fracasser la tronche le J'aimerais plus rapidement bien du possible. Tennis, ça serait cool. Oui, mais Medvedev va tout faire pour que non. Mais... Il peut y avoir du troll, du bâillement. On a juste, ça me fait mourir de rire, une personne sur YouTube qui nous regarde et son pseudo, c'est le globe de Benoît Mélan. Il a fait une fusion entre le globe de Julien Varlet et Benoît et ça me fait non, mourir mais tu vois, moi, globe de Benoît Mélan. Je ne partirais pas sur un 3-7, mais je... La cote, ouais, 23-5 et tout ça. Ou Zverev 1-7. Tu peux pas imaginer que Daniil Medvedev. Est-ce que tu imagines que Daniil Medvedev lui mette 2-7 1-7-6, 7-6, 7-5, 7-6. Mais c'est pour ça que que ce soit serré ou que ce soit une doudoune avec 3-7, un 6-2, 2-6, 6-3, un truc comme ça,
Moi, je partirais plus sur du, tu vois, 23-5. Au moins, tu es sûr, tu joues pas sur le vainqueur ou le perdant. Théodore nous dit, le côté mental n'est pas assez pris en compte, je trouve. Medvedev est devenu maintenant de Zverev. Moi, je vois Medvedev tranquille. Et Hamid nous rappelle ça aussi. Medvedev est entré dans la tête de son adversaire à force de le battre. Je pense que Medvedev va gagner. Après c'est t'as vrai. T'as raison, c'est vrai. Théodore, c'est vrai. En revanche, tu vois, chip and charge, il faut que tu arrêtes le Beaujolais. 7-6, 7-3, ça n'existe pas. Mais bon. Mais il s'est peut-être trompé de frappe. Mais après, comme de touche. Comme je ne peux pas jouer, moi, tactiquement, tennistiquement, je partirai sur Medvedev. Voilà, ça, c'est mon sentiment. Maintenant, si demain je dois jouer et je dois mettre une piécette sur Winamax, je partirai sur le nombre de jeux. Parce que je suis sûr que là, je ne vais pas me tromper. C'est sûr, plus de 23-5 pour Julien. Ça va pas faire 6-1, 6-1 ou 6-2, 6-2, tu vois ce que je veux dire. Ça va être un match accroché, donc à plus de 23-5, t'es à 82, je trouve que c'est une cote intéressante. Mais si tu dois penser d'un côté, ce sera Medvedev. Si on arrive au troisième set, mais je suis quasiment persuadé que Zverev prendra l'ascendant physiquement, sur la fraîcheur physique, comparativement à Medvedev. Bah, tu vois, moi, c'est pour ça que je vois Zverev gagner. Alors que Julien pensait exactement que c'est l'inverse. Bon, faites vos jeux, les amis. De toute façon, on vous rappelle que tout ça doit rester récréatif. Medvedev à 52% pour vous. Zverev à 48%. C'est le dernier match qu'on avait analysé aujourd'hui. Alors bon, Benoît. Excuse-moi, parce que c'est vrai que vous parlez tous de la bête noire et tout ça. Vous avez raison. Ça, effectivement, vous avez raison de nous le rappeler. Mais c'est toujours la même chose. Un moment ou un autre, ça s'arrête, ce truc-là. Parce que tu y as pensé, tu n'arrêtes pas d'y penser. C'est le numéro 2 mondial. Donc, à un moment, tu es obligé de trouver quelque chose qui te permette de le battre. Comme quand tu joues Djokovic, à un moment ou un autre, qu'est-ce que je vais mettre en place sur le court pour réussir à le battre? Et le fait qu'il ait réussi à faire ça contre Djokovic, et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit capable de faire ça, je trouve que c'est énorme. Ça veut dire que le mec est dans de très bonnes dispositions, et physiques, et mentales, psychologiques, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je me dis, putain, ce petit surplus de confiance qu'il a, là, c'est quand même dingue ce qu'il a réussi à faire, même s'il a perdu contre Medvedev en poule, même s'il n'a jamais battu Medvedev depuis 2 ans, d'accord. Mais Marat Safi, d'un moment, il a battu Fabrice Santoro, alors qu'il devenait dingue. Mais oui, mais toujours, à un moment ou un autre, essaye de trouver ce qu'il... J'imagine que toi, tu avais un joueur que tu n'aimais pas jouer. Alors qui? Enfin, est-ce qu'il y avait un mec, putain, il te plombait à chaque fois, et à un moment, tu t'es dit, putain, je vais réussir à le battre. Nicolas Coutelot. Ou Ratennis. C'était mentalement. C'est parce que le mec ne s'entraînait pas, ne foutait rien, alors que moi je faisais mes heures. Je me disais, à partir du moment où je montais sur le terrain, je ne peux pas perdre sur lui, ouais, parce que je suis plus entraîné que lui. Je vois. Et en fait, je perdais. Ça doit être très frustrant quand ça passe. Au fur et à mesure de travailler mentalement avec mon partenaire mental, je l'ai joué une fois, je l'ai battu deux fois, trois, et j'ai passé ça. Et voilà. T'as réussi à passer le cap. Et après, je l'ai battu, pas tout le temps, mais je l'ai battu régulièrement. Mais c'était un peu parfois, ça n'arrive jamais aussi, on a des exemples. Hein, oui, non, mais après, regarde Tsitsipas chez les juniors qui n'arrivaient jamais, qui ne réussissaient jamais à battre je ne sais plus qui. Ouais, mais je me suis pris un plaquage de Juju avant. Mais il y avait un joueur, je ne sais plus. Enfin bon, et il a réussi à le battre. Enfin, il a réussi à le battre un peu plus tard, même si en commençant sa carrière pro sur le circuit ATP, il n'y arrivait toujours pas. Alors peut-être que Gaël battra Novak Djokovic l'année prochaine, pourquoi pas? On y croit, on peut y croire, on y croit toujours. Merci. Mais à un moment, tu te dis qu'il a 34 balais. Et c'est vrai que quand tu le vois jouer contre des Zverev, Medvedev, qui sont eux sur du 24-25, bah merde, il y a une décennie d'écart. Medvedev plutôt, si on devait choisir, pour Julien Varlet, Zverev pour Benoît Mélin, et vous étiez plutôt du côté, alors là ça s'est rééquilibré, je n'ai pas arrêté le sondage, mais je vous montre, hein, pourquoi je ne mens pas, c'est 50-50. Non, ben non, vous n'avez pas le droit. Alors il faut un dernier petit vote pour faire basculer. Non, allez, on bascule sur qui? Ça, c'est le truc qui m'insupporte. Moi je m'en vais. Hein. Ça m'insupporte. Voilà, Zverev, tu vois. Bravo. C'était le dernier match. Ah, il y a une mamie Camille qui s'est trompée sur la touche. Dernier match qu'on analysait ensemble, les amis. Alors du coup, quand même, un petit mot, bilan sur ce master. Juju, est-ce que tu auras passé une belle semaine? Est-ce que tu aurais été un peu déçu? Qu'est-ce que tu retiendras? Non, ça ne va pas être ce que je trouve. Alors, tu sais quoi? C'est tout con. Où je suis déçu, c'est qu'on a changé de ville, on est passé de Londres à Turin, et on en a parlé un petit peu, l'ambiance est exactement la même. J'aurais pensé que, tu vois, on aurait été en Italie, on change de ville, on aurait été sur un éclairage différent. Une touche un peu différente. Ça, je trouve que je suis un peu déçu, ça marche. La deuxième chose, effectivement,
ça ne va pas être un master, à moins qu'on ait une finale incroyable et qu'on reste dessus. Mais bon, ça restera toujours une finale en 3-7 et jamais en 5-7. Ça, ça m'embête aussi, parce que j'aurais bien aimé voir une finale au meilleur des 5 manches. Ça, ce n'est pas spécifique. Voilà. Mais après, effectivement, dans la globalité, ce n'est pas un master qui va rester dans les annales, parce que avec les histoires de blessures. Moi, le petit truc qui va me rester en tête, c'est la rentrée de Sinner qui va battre Urkash. Alors, certes, Urkash peut-être un peu blessé. Et le match, pour moi, paradoxalement, c'est un match sans enjeu, c'est le Medvedev-Sinner. C'est vrai. Benoît Mélin, un petit mot rapidos. C'est sympa, vous m'avez fié. Ce Masters. Voilà, encore une fois, réfléchissez, messieurs de l'ATP. On était à l'O2 Arena, on est à Turin, c'est le Masters. On change d'endroit. Pourquoi avoir exactement la même ambiance, le même court bleu, le même noir autour du court, comme si on n'avait pas changé d'endroit? On n'identifie plus les courts, on n'identifie plus les tournois, on ne sait pas où on est, il y en a toutes les semaines, les gens s'y perdent, il y a des grands chelems, il y a le Masters. Faisons en sorte que ce soit différent. Merde, on est en Italie, allez, éclatez-vous, faites-nous quelque chose qui soit Italia. Et ton Dolce Vita, ça ne marche pas du tout. Si colombier. Alors la Myriam, que j'embrasserai fort, a confirmé ça. Non, non, si, non. Si, 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 si. Non, mais t'as pas lu les bons tweets. Non. Enfin voilà, je trouve que ce serait sympa à un moment ou à un autre. Tout son col roulé. Même pour les joueurs, tu vois, à un moment c'est sympa aussi de changer. Bercy a créé quelque chose de très particulier, c'est génial, bravo. Bravo à la Fédération Française de Tennis d'avoir inventé ça. Maintenant allez-y, putain, proposez des trucs, c'est comme ça aussi qu'on va faire du spectacle. Mmh. Quand tu vas voir une pièce de théâtre, t'as pas envie de voir le même décor dans toutes les pièces de théâtre que tu vas voir. T'as envie de voir un truc différent. C'est vrai. Faites-le, merde. T'as raison, mon Benoît. On va répondre à la question Fribette aussi. Alors, il y en aura la semaine prochaine également. Benoît Mélin. Qui a gagné le plus de matchs en 2021 sur le circuit ATP Tour? Alors, je vous rappelle que Djokovic est lamentable. Hein. Il est très, très loin des meilleurs, hein, puisqu'il a gagné 51 matchs pour 7 défaites. Ridicule. Casper Ruud. 55 victoires quand même, pour 17 défaites. Et il a joué beaucoup, lui. C'est bien, Casper. Hein. Ouais. Avec ses 250. 17 défaites, hein, 17 défaites. Donc il a 17 beaucoup, défaites, beaucoup joué. C'est ridicule. Oui, mais c'est beaucoup. C'est qu'il a joué beaucoup. Ah oui, il a joué beaucoup. D'ailleurs, j'espère que Nick Kyrgios a regardé le Masters pour voir que... Bah, et Marc Rosset aussi. Hein. Que Casper, c'est vraiment... Qu'il l'a traité d'escroc, quand même. Joueur de terre battue, ou Marc Rosset, ouais. Nick Kyrgios, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il arrête son émission de débile. Arrête de dire des conneries, Nick. Hein, on en reparlera... Dans les bilans. Et alors après, on a Medvedev, 58 victoires pour 12 défaites. Et alors, qui est au-dessus de lui? Eh ben, personne. Puisque Zverev est à 58 victoires aussi. Tous les deux ont gagné 58 matchs. C'était ça la réponse. Medvedev et Zverev. Défaite, Medvedev et... Ah oui, alors, combien? Medvedev, c'est 58-12. Et Zverev, c'est 58-15. Ah ouais, bon... Voilà pour cette dernière question Fribette, les amis. Et Dominique Thiem, on a vu là, il a posté, c'est pas mal. Ça joué, ça retape. On vous parlera de tout ça de 2022 la semaine prochaine. Je vous rappelle, avant de se quitter, les amis, avant de dire au revoir à Juju Varlet, qui nous retrouvera en février. Je vous rappelle que la semaine prochaine, donc lundi, mon Benoît avec la piche. On fera le bilan de la saison ATP et WTA. Il va être beau. Il va être sans beau, parler des... Sans parler des Français, parce que les Français, on fera le bilan jeudi et vendredi. Ce sera l'émission un peu fun de cette fin de saison. On se projettera sur 2022. Voilà, les amis. Et on peut savoir ce qui se passe avec le double. Ah ben non, j'ai oublié la partie de ping-pong. 3-2 break? Non, no break. J'allais oublier le dernier match de Juju Varlet. Mon jubilé. Alors qu'on ne vit que pour ça. Allez, ma dernière partie. Break. Je reste sur une victoire. Très bien joué, mais tactiquement, ouais, tactiquement bien joué. Je ne veux pas l'enlever, le V de victoire. Attends, mais Marie. Le V de victoire. Qui gagne la finale des Masters? Eh ben quoi? Eh ben toi. Hein? T'as pas donné ton avis? Attends, on sait pas toi. Ah, eh ben j'ai pas d'illumination là-dessus. Je sais pas. Ah, t'attends les illuminations, quoi? Tu sais, je fonctionne. C'est à 17h. Tu illumines à quelle heure? J'illumine vers 19h. Ah, ça sera fini. L'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. L'heure de l'apéro, c'est là où. Ah là, elle illumine grave là. Là, c'est un sapin de Noël, à 19h. Il y a 5, poum, il n'y a plus personne. Ah, c'est dingue.
Allez, point d'exclamation quiz, 40 euros si Julien s'impose. Non, mais c'est pas possible, j'ai gagné hier. C'est pas possible. J'ai gagné hier. Non, c'est de l'arnaque. Hein. Personne vient sur moi aussi à chaque fois. 10 euros sur Benoît Mélin. Benoît, je te rappelle que t'es invaincu, tu fais une saison digne de Novak Djokovic. Oui, bah, oui mais là, il y a la finale et... Il a remporté tous les titres du Grand Chelem, Benoît Mélin. Toi, il y a Albinos qui dit pas de Julien Verlet avant février, c'est un scandale. Oh, bah, pas du tout. Alors, c'est un choix éditorial, à un moment, il faut faire des positions un peu intelligentes. Alors, c'est pas vrai, c'est parce que Juju part entraîner dans le sud. Il vit dans le sud maintenant, Juju. Ouais, j'entraîne. Donc, on l'a quand on peut et on est très heureux de l'avoir. Mais tu peux venir plus souvent. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Ça va peut-être venir plus vite qu'on pense. On ne sait jamais. 40 euros. Eh, c'est moi qui choisis. C'est, j'ai perdu. Vas-y, laisse, vas-y. Là-bas. Non. Merde. Tu es prêt? C'est ta dernière. Ouais, c'est ma belle. Tu le fais pour eux, pour tes fans qui sont en train de se mobiliser là, surtout. Pour mes filles, pour mes filles. Pour tes filles. Je joue pour mes filles. Allez. Oh, il est mal rentré dans son match. Elle met une pression, c'est un enfer. Mais c'est un très bon commentaire. Moi, j'adore ce qu'elle dit. Attends, stop. Premier point. Il m'a fait chier. Tiens, moi j'aime bien quand elle commente. Tu dirais quoi là par rapport à son service? J'ai fait une merde. Une grosse merde. C'est ça, une grosse merde. 2-0. Oh là là, allez, on se concentre. 2-1, Benoît Mélin. Putain, je la rate pas. Ah, t'es mauvais. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce gros? Oh, il est nul. 3-1. Let's. Non. 3-2. 3-3, c'est maintenant. Oh, allez, 4-3. Oh, la somme, la somme. C'est celle-là que je voulais. 5-3. Là. Oh, ouais. T'as pris la bande. 6-3. Non, j'ai pas pris la bande, j'ai pris l'ombre. Eh, balle de match. Balle de match. Il a gagné. Il a gagné le Masters. Julien Verlet. Ah non, il faut filmer Juju. Filmez-moi Juju. Bah mais j'y vais, mais tu combien? Non mais c'est pas vrai, là. Oh non. Maman, je t'aime, papa. Merci. Allez, bravo, merci. Elle reste, celle-là faut la garder, celle-là. Celle-là faut la garder. Ouais, oh putain. C'était sublime. Je remercie mon entraîneur. C'est qui? Les sponsors. Et j'ai vraiment, voilà. J'espère que tu reviendras l'année prochaine. Et je reviendrai l'année prochaine remettre mon titre. Parce que c'est quand même le tournoi que tu préfères, c'est celui que tu adores. I try to do my best. Ouais. I try to do my best. J'adore. Mon Juju, on va te remercier du coup. Bah merci. Bah non, mais attends, c'est un plaisir. Bah oui, match à rejouer, mais bien sûr. Je crois que là, j'ai pris le pas. J'ai pris le pas là, sur le Masters. Est-ce qu'on peut, Benoît, remercier Julien Verlet? Mais non, il n'y a pas de remerciement. Si, merci. Merci, mon Juju, d'avoir été avec nous toute cette saison. Tu crois que je vais remercier Julien Verlet? On se retrouve en février vers Rotterdam, c'est ça, mon Juju? Vers Rotterdam. Bon, allez, fais danser tes pecs pendant ce temps-là. Je dis au revoir. On va dire merci à JP quand même. Ah là, c'est bon. Merci à vous d'avoir été avec nous, les amis. Je suis content de t'avoir roussé sur la dernière. Je suis désolé, Marie, mais là c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. C'est toi qui auras le mot de la fin. C'est toi qui auras le mot de la fin, mais avant, demain les amis, on se donne rendez-vous pour le bilan de cette saison ATP et WTA. Et puis à revenir sur la finale. Avec la piche, on reviendra sur la finale également. Une grosse émission demain à 19h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Juju, c'est toi qui va conclure. Vu que j'ai gagné aujourd'hui, ma victoire est dédiée à l'AS Julien Verlet, parce que depuis le début vous me suivez et vous m'encouragez. Je vous remercie. Hop. J'ai plus les mots. Merci à tous et à toutes. Allez, ciao ragazzi, ciao ragazza. Ciao. Salut où la bête.